Le prochain défi va vous demander de toucher un joueur avec une noix de coco. Donc pour vous aider à trouver des noix de coco, je vous affiche une map avec tous les emplacements de caisses de fruits et légumes sur Fortnite. Alors par contre, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à Rankless Highway. Et vous allez voir que là, à cet emplacement, il y a énormément de caisses de nourriture. Donc regardez, vous les fouillez. Et là, vous avez de grandes chances d'obtenir des noix de coco. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les caisses de nourriture, elles se trouvent principalement dans les cuisines, des appartements, des maisons, etc. Regardez, là, il y a la petite cuisine. Et à côté de la cuisine, il y aura toujours une petite caisse de fruits pour vous influencer à tout simplement consommer des fruits et des légumes par jour. Enfin, 7 fruits et légumes. Donc voilà, quand vous avez trouvé des noix de coco, là, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un autre joueur. Mais regardez, ici, il y a une autre cuisine. Et là, boum, il y a encore une caisse de fruits et légumes. Et en plus, il y en a même dehors. Hein. Regardez, ici, sur la table, il y en a une normalement. Ouais, juste ici. Il y en a une qui se trouve à un arrêt de bus. Regardez, là, il y en a une sur la table aussi, là. Il y en a même qui se trouve à près d'un arrêt de bus, juste ici en face. Donc franchement, ici, vous avez énormément de caisses de nourriture. Donc c'est vraiment le meilleur emplacement si vous cherchez des noix de coco. Donc quand vous avez trouvé des noix de coco, là, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un joueur et de lui lancer la noix de coco comme ça sur lui. Donc regardez, là, j'ai un adversaire juste devant moi. Donc c'est parfait. Là, ce que je vais faire, c'est je vais lui lancer la noix de coco. Bon, hop, là, j'ai réussi. Là, je crois que j'ai réussi. Là, j'ai touché, je crois. Attendez, il faut que je me casse. Alors par contre, si vous n'arrivez pas à faire ce défi, parce que franchement, c'est quand même un peu galère, ce que je vous conseille, c'est de faire une partie uniquement contre des bots. Parce que regardez, moi, je joue contre des bots, là. Ils savent pas trop jouer, donc ça va, c'est cool. Et franchement, c'est quand même galère. Hein. Si vous devez faire ça dans une vraie partie, franchement, ça va être assez chaud. Ah, mais j'ai une idée. Regardez, on va faire un truc encore plus simple. Déjà, on va aller récupérer mes noix de coco. Et ce qu'on va faire, c'est mettre en PLS un adversaire. Ok, donc là, regardez, j'ai mis un adversaire en PLS. Et maintenant, comme il va plus trop bouger, je vais pouvoir lui lancer la noix de coco facilement. Donc là, je vais près de lui. Et boum, je lui lance la noix de coco dessus. Et dès que vous aurez réussi à envoyer une noix de coco sur un joueur, voilà, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créé.